Pagé. Alors aujourd'hui nous sommes à Surabaya, une petite ville étape avant de faire le volcan de Bromo. Et en fait, l'étymologie de Surabaya, Sura ça veut dire requin, Baya crocodile. Et selon la légende indonésienne, ces deux animaux se seront affrontés pour former un monstre hyper puissant pour protéger la ville. D'où le nom Surabaya. Alors nous sommes à Probolinggo et ça fait à peu près maintenant 3 heures que nous attendons en fait notre bus pour Bromo, Semorolawang, exactement où on va. Et donc en fait les bus ne partent pas tant qu'ils ne sont pas pleins, donc pour l'instant on n'est que 4. Et en fait la capacité des bus est de 15 et pour l'instant on est 4, donc ça fait 2h30 qu'on attend, c'est un peu long. Mais il faut prendre son mal en patience. Nous sommes actuellement à Bromo dans les dunes de sable, et le sable en fait c'est de la poussière de volcan, et vous voyez qu'en fait il y a énormément de vent qui fait voler les poussières de volcan. J'aurais dû prendre un masque.
très dur de marcher. En fait, le vent se lève avec de la poussière noire. Il y en a partout dans les yeux, partout dans les bronches. Et là, on arrive en haut du Mont Bromo. Alors, le Mont Bromo, volcan sacré de tous les Javanais, culminant à 2329 mètres. Il a 800 mètres de diamètre et une profondeur de 200 mètres. Alors, bien qu'il ne soit plus actif, il fume quand même. Et les habitants de la région sont appelés les Tinders. Et selon leur légende, ils descendent d'un prince indien qui aurait sacrifié ses enfants au dieu volcan pour calmer sa colère. Et pour célébrer cette légende, chaque année, les hindous jettent des offrandes au dieu volcan. Ça y est, on a fait le Mont Bromo. Bon, il y a beaucoup de vent. Et donc voilà, j'ai l'air de dire comme ça. Il y a beaucoup de vent. On va laisser laver les yeux. Lors de notre visite au Mont Bromo, une tempête de sable s'est abattue sur nous. Et j'en garde plutôt un bon souvenir. C'est plutôt cool de se dire qu'on a fait ça sous une tempête de sable volcanique.